Voilà. Alors, oh, ça commence déjà. Ça commence déjà. D'accord. Ça risque d'être un match assez intéressant parce que je sais que Pat Auber, il bosse, hein. Il essaie de bosser sa Marie. Et juste faire échanger. Et voilà. Parfait, voilà. Alors. Donc, pour l'instant, toi je pense que c'est qui pourrait avoir une chance. En vrai. Moi je pense quand même pour Pat Auber, hein, parce qu'il a quand même bien taffé sa Marie. Hein. Ouais, je sais qu'il est. Après, il est pas le jour et nuit. Hein. Oh, le random smash. Le smash dans le train, la spécialité française, hein, bien sûr. Ah bah, on l'a vu au summit. Hein. Il y a qu'en France qu'on voit ça. Oh, la petite mine. Et toi qui a d'ailleurs gagné le summit grâce à un smash dans le train, moi je déconne. Ah ouais. La Marie là, elle est agressive, elle prend cette première stock avec ce F-Tilt. Marie agressive là, c'est la première fois que je vois une Marie aussi agressive, dis donc. Ça pose des petites mines, hein, ça a été le... Vous êtes pas le Merli du Nord? Ah bah Merli étant du Nord aussi, mais bon, c'est Merli de l'Arco. Faites un coucou à lui, bah oui, attends, on va lui faire un coucou après. Oui. Tant qu'il finisse son set, on lui fera un coucou, t'inquiète pas, Bolognaise. Quoi, le petit canin? Le petit canin, il est vraiment petit, on le voit même pas, il est derrière des affaires, le pauvre. Il est caché. Pas de soucis, Bolognaise, pas de soucis. Gracias, de nada. Ouais, tu parles espagnol en plus. Je sais seulement dire bon merci et merci de rien et bonjour. Moi j'ai fait 4 ans d'espagnol, ça m'a servi absolument à rien. Bon, pour l'instant. T'inquiète, j'ai fait en études supérieures, j'avais une prof d'espagnol qui était vraiment espagnol, qui venait du sud de l'Espagne. Ça n'a pas changé mon niveau. Hein. Ah bah ouais. Ah mais attends, mais je suis bête en fait, il est devant moi. Bon bah Bolognaise te dit bonjour. Oui, Bolognaise est sur le stream. Hein. En parlant de notre triple d'espagnol, on en a vu déjà Pat Auber qui a pris la deuxième stock. Boulot, voilà. Ce que je lui ai dit. Parce qu'on l'a dit, puis il y a le Star GG aussi. Oui, aussi il y a le Star GG, mais bon, je pense pas qu'il a regardé le Star GG. Pourquoi pas. Bon. Je suis déjà parti à Boulogne. Pat Auber qui est vraiment chaud hein, sur son sur sa Marie, ou alors c'est vraiment Pikachu qui est enfin Arknight qui a vraiment un peu de mal à venir la chercher. Hein. Je pense qu'il doit pas vraiment connaître Marie parce que après on a un peu des personnages obscurs par ici. Oui, il y a Marie, Ridley, tout ça. Encore Ridley, ça peut aller. Et c'était un upper, cette première game qui est prise par Pat Auber. Trois stocks hein, quand même. Hey, c'est pas mal amélioré. Hein. Ah oui. Mais je pense vraiment que son adversaire ne connaît pas Marie. Oui, c'est vrai, parce que le match-up Marie, bon, il est compliqué, on le voit pas tout le temps on le voit pas tout le temps ici, hein, j'ai du mal à trouver mes mots, c'est... Après, pour revenir sur le type de personnage qu'on a par ici, ça veut dire que Karou, Marie, pas vous. C'est des personnages qu'on ne voit pas beaucoup, mais aussi un joueur de... Comment s'appelle déjà ce personnage? De quoi? Il y a du mal à trouver les Rosalina. Certes, Rosalina, on a Mister Popo, on a Yuma aussi. Ouais, Yuma aussi qui te donne un plaisir. Non, avec vous finissez pas là, Argonaut. Ça va commencer évidemment. Marie qui recommence un peu son spacing hein, en venant évidemment chercher, en grattant les pourcents, en testant des petits trucs. Hein, ça teste la malveillance. Hein. Ça gratte un peu les pourcents en foulant. Ah! Il a enfin utilisé son neutral. Son neutral B. Mais bon, est-ce que le neutral B sert vraiment contre Pikachu à part pour donner les femmes la vulnérabilité? Oui, bah ça. Hein. Après, il y a aussi héros de bouche, mais bon. Ah oui, ça. Après, ce héros sur Valenciennes est bien représenté. Si vous ne pouvez pas oublier, c'est sur Amiens à chaque fois. Ouais. Comment sur Valenciennes? Ce sera bien si c'était la blazone. Et puis il est déjà aussi représenté sur un. Ah bah. Et c'est une première stop, pardon, prise par Pat Auber avec un magnifique fer ou un backer. Je me souviens plus, j'arrive pas à différencier. C'est les mêmes coups. Oui, non, c'est les mêmes. Hein. C'est. Il est sur long spear pour envoyer son adversaire off stage. C'est le même coup. C'est exactement le même. C'est juste qu'il dit. C'est juste que sur le backer, il tire un peu plus loin. C'est assez ça. L'élastique, hein, pas le backer. La
plein dans l'armoire. J'ai vraiment du mal à venir la chercher cette Marie. Hein. Ça les frappe, il se tourne. Ça pose des petites mines, ça lance des petits pots. Mais il fait beaucoup de spécial le Don't Be, le Side B, donc j'ai l'impression que c'est un débutant. Ouais. Et je le vois, il court pas tellement, hein. Juste il marche. Hein. Il walk up slowly, hein, comme on dirait sur la scène e-sport. Oui, and Don't Smash, mais sauf qu'il ne fait pas de Don't Smash. Ah non, il walk up slowly et il perd. Oui, neutral B. Walk up slowly et Side B. Canne à pêche, non. Ah, il ne pourra pas avoir par la canne à pêche, mais malheureusement par la mine. La mine aura raison de lui, le ledge trap, hein, évidemment. Très connu. Hein, le trap de Marie, d'ailleurs, je viens de remarquer, mais la mine qui bloque les mines. Ouais. Salvi de Pikachu. Ouais. Malheureusement, Arknak n'a pas, je pense, assez les bonnes connaissances pour venir chercher Marie avec sa mine. Parce que regarde, voilà, il se fait avoir, malheureusement. C'est terrible. C'est terrible. Marie qui peut se permettre des choses, hein, il le sait. Hein. Il le sait qu'il peut se permettre. Ah là 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 là. Allez. Ah, et la mine. Les combos Bread and Butter, allez. Ressort-les un peu. Et le père. Il va prendre cette deuxième game et qui va prendre ce net. Donc 2-0 pour Pat Hopper. Ah là là.